Eh bien boys, nous revoilà sur Deep Woken, nous sommes de retour sur le jeu le plus dur de Roblox. Je vais être honnête, j'ai tout oublié, mais vous me demandiez d'y rejouer, j'avais envie d'y rejouer. Donc nous y voilà, je ne sais plus comment quoi que ce soit fonctionne, alors que ma dernière vidéo, je suis quand même allé à checker pour me souvenir de comment ça fonctionnait. J'avais l'air d'être un pro, là je suis perdu. Là il y a un mec ici, on va peut-être pas lui parler. Ok, donc d'après ce que je me souviens, j'ai des sorts, j'ai genre cette attaque là, j'ai cette attaque là, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai des coups d'épée, je peux upgrade mes stats, comment on l'ouvre? Ok, comme ça, là apparemment je suis un pro en intelligence, on va savoir pourquoi j'ai level up mon intelligence. C'est comme ça, c'est la vie, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, vraiment je suis en train de me demander. Ok, et j'ai tout oublier du reste, donc c'est pas grave, on va essayer de faire d'XP malgré le fait que je me souvienne plus de rien, donc ça va être violent, ça va être vraiment violent. Je vois que j'ai des cailloux et tout, je sais plus comment on joue, donc c'est pas grave, c'est, je vais probablement mourir, ce qui est dommage. Profitez bien de mon personnage vieux parce que actuellement j'ai 117 ans, je suis un grand-père, allez c'est parti, mais du coup je vais crever en 2 secondes, donc profitez bien que j'ai les cheveux gris comme ça, que je sois vieux, ça va pas durer très longtemps. Est-ce que je peux couper un arbre? Ok, j'ai coupé un arbre, d'accord, j'ai gagné 3 wood et ouais, qu'est-ce que j'en fais? Et où est mon wood? Je ne le vois, ah il est là, ok, it's wood. Est-ce que je peux faire un feu de camp? Parce que je crois que c'est comme ça que je mets mes points de compétence, it's wood. Oui, je sais, je suis au courant que c'est un wood, comment... Je crois qu'il fallait pas un item. Probablement. Il me semble qu'il fallait, je sais pas, un briquet ou un truc pour faire un feu de camp. J'ai zappé. C'est pas ici en tout cas que ça s'achète. C'était peut-être plus loin. Je me souviens vraiment plus du tout. On a besoin de plus de wood, blablabla. Est-ce que tu en as? Ah, donc ça, c'était comme ça que j'ai gagné du fric, si je me souviens bien. Juste, je filais du wood à cette meuf. Elle me filait de l'argent. Et apparemment, du coup, après, j'ai appris de l'intelligence. Probablement en lisant... Je ne sais pas où il est, mais en lisant un livre, je peux level up mes armes, vitalité, érudition. J'ai des nouveaux points. Ces points-là, vitalité, érudition, tout ça, c'était pas là avant, je crois. Donc je sais pas, je sais pas comment on les upgrade, je sais pas du tout. C'est un mystère. Bon, continuons. Je suis végétarien. Ah, ça, c'est peut-être relou, je ne sais pas. Comment on mange? Est-ce qu'on a besoin de manger? Je pense pas. Bon, on va avancer. J'aimerais bien aller au feu de camp là-bas, mais il y avait des gens... Donc on va y aller discrètement, en espérant que personne ne me tue sur le chemin. Hop, ok, c'est bon, je suis un ninja. Alors, comment j'upgrade mes stats? Qu'est-ce que je fais? D'autant plus que vu qu'il y a eu des updates sur le jeu, je suis encore plus perdu que je ne l'étais. Alors, reste. Ok. Et je ne sais pas ce que je fais maintenant. Sa mère, je suis perdu. Je peux me mettre des points au moins? J'ai pas l'impression de pouvoir en mettre. Ok, il me semblait avoir vu ça dans mon ancienne vidéo, mais apparemment non. C'est pas grave. Bon, je crois qu'il y a des PNJ d'entraînement quelque part par là, dans une forteresse. On va essayer d'en tabasser un. Je vais probablement mourir, mais c'est pas grave. On essaie, on voit ce qui se passe, et puis let's go. Après, on pourra aller tuer des bandits. Je sais pas pourquoi je vais tuer des bandits. J'ai vraiment, vraiment tout zappé. C'est chaud. Faut que j'aille voir des guides et tout si je veux reprendre le jeu. C'est un peu dommage. C'est pour ça... Bon... Les jeux hardcore en ce moment, pas trop mon truc, parce qu'il faut regarder 40 000 guides et tout, et même quand tu fais ça, tu meurs tout le temps, et en vrai, j'ai un peu la flemme. J'ai juste envie de jouer à un jeu, j'ai pas envie d'aller voir 4 guides qui vont prendre 5 heures à regarder. Juste envie de me faire kiffer, quoi. Ok, je suis en train d'augmenter mon agilité, apparemment. Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est que j'étais mort et du coup, j'ai pas beaucoup de stats? Est-ce que je venais à peine de reset? Je suis à 4 de power. Ah oui, c'est pas ouf, 4 de power. Effectivement, je suis assez faible. Donc ça, on a des matériaux. Je m'en souviens à peu près, vite fait. Ici, on a les entraîneurs. Ça, je m'en souviens parce que c'est là où je voulais aller. Et là, on a les trucs pour s'entraîner. Donc, on peut entraîner notre force, notre résistance, plein de choses. Ça, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est quoi ton problème? Aïe. Aïe, bonjour, bonjour à toi. Je sais pas ce que je fais là, je vais être honnête, je m'en souviens plus. Me tue pas, frère. Si tu me tues, je meurs. Voilà, tout simplement. C'est lui qui m'entraîne. Blablabla. Non, ça doit pas être lui. Est-ce qu'il faut juste que je me mette là? Et puis il y a des PNJ qui spawnent. J'ai complètement zappé. Ah non, c'est lui, ok. Je veux m'entraîner. Quelqu'un s'entraîne déjà avec un instructeur. Ah, mais c'est le mec qui était juste là. Ok, c'est pas grave. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre en attendant? Je ne sais pas. Je vais attendre que le mec termine et après je vais essayer de fight ce mec. Ah, mais il est en train de spammer! Oh, bah je pourrais jamais jouer. Bon, bah on va attendre. Ou alors, oh, et puis... Eh, stop! Au pire, tant pis, je vais juste faire du fight normal. Et si je meurs, je meurs. C'est la vie, c'est comme ça.
Et tant pis, c'est comme ça, je vais crever, c'est fini pour ce beau perso, mais c'est pas grave, de toute façon, bon, j'avais level up mon intelligence, probablement en lisant des livres, mais la flemme, c'est pas grave, allez, c'est parti, tous à la mort, allez papy, wouh, let's go, cours plus vite. Je crois que je suis en train de me rappeler d'un truc, si je me souviens bien, je crois que j'XP, en fait, donc je lisais un livre et après j'allais genre couper du bois, parce que je crois que couper du bois faisait de l'XP. Peut-être que je me souviens mal, peut-être que ça fonctionne pas comme ça. Ou peut-être que ça file juste de l'XP de force de couper des arbres. C'est probablement ça. Donc je sais pas comment j'ai level up mon intelligence jusqu'à ce niveau. Je sais pas comment je suis devenu intelligent, c'est la question. Voilà, je suis tellement stupide que j'ai oublié comment devenir smart. Ah ouais, on en est là. Ok, bon, bonjour, excusez-moi, j'aimerais un bateau, vous savez, à mon âge, c'est compliqué de se déplacer, on a de l'herpès, ça n'a aucun rapport, vraiment, je suis désolé, mais il fallait que je vous le dise. Allez, c'est parti, tous dans le bateau. Alors, de souvenir, l'île était par là-bas pour XP, et là-bas, il y avait genre des îles plus vénères, donc je vais pas y aller, allez, c'est parti, attention, wouh, ok. Ouais, mais du coup, comme je disais, je suis pas... le plus grand fan des jeux hardcore en ce moment, vu que je viens de finir RLCraft, spoiler je suppose si j'ai pas encore posté le dernier épisode, j'en ai un peu marre des jeux où juste je meurs, je dois tout recommencer, etc. 40 fois. J'ai juste envie de chiller sur un jeu un peu plus cool. Donc là, je vais probablement mourir et après je rejouerai pas au jeu avant un moment. Mais j'avais envie d'y rejouer quand même un peu, au moins de voir comment c'était. Juste, bon, voilà, j'aime bien les jeux qui bougent en ce moment et les jeux hardcore en général sont très très lents tellement tu meurs H24. Donc on va voir comment ça se passe, mais je pense que ça va mal finir. Super, il y a des gens qui se battent, donc ça c'est pas un bon plan. Je refuse d'aller ici, je refuse de me faire tuer par un mec qui va me tuer de façon random. Ça c'est mort, non, je ne suis pas prêt pour du PVP. Ok, on va essayer d'accoster par ici, je crois pas qu'on puisse faire dépop le bateau ici. Oh ok, le mec se barre, parfait, c'est nickel. Allez, reste là, bateau. Ne t'en va pas. J'ai oublié de replier les voiles. Oups. ouais. Je crois qu'on peut le faire des pops sur l'espèce de poteau là-bas, si je me souviens bien. Donc je vais juste y aller et essayer de faire ça. Allez, papapapapapa. Je suis un expert, c'est bon. Je suis un expert. Je me souviens de tout, c'est faux. Alors, recall. Bah, c'est pas ça que je voulais. Ah, bah si, ça l'a fait des pops. Ok, parfait, parfait. Je pensais que ça allait juste l'appeler ici. Bah, nickel. Allez, maintenant, c'est l'heure de la baston. C'est l'heure de la bagarre. Il y a quelqu'un. Fuck. Ah, oh, non, non, c'est compliqué. Les jeunes de nos jours, ils ont plus aucun respect. Ils vont me fumer. Non, des bandits, cachez-vous. Faites pas les ouf. Faites pas les ouf. Je suis un expert. Je vais mourir. Je vais mourir. Aïe, aïe, j'ai tout oublié. J'ai tout zappé. Windblade, je suis où? Je. Ok, bon, je vais crever. C'est bon, j'ai counter. Bam, bam, bam. Il y a un autre mec derrière. Casse-toi, le mec derrière. Casse. Non, mauvaise touche. Mauvaise touche. Aïe, tout. Ah. Ok, si j'arrive à les mettre à terre, je récupère de la vie. Ça, je m'en souviens. J'ai surtout de le voir, donc ça m'a rappelé. Dodge. Bam. J'ai l'impression que le mec veut m'aider. Ok, j'ai récupéré de la vie. Exécute. Hop. Et lui, il meurt. Parfait. Et lui, il meurt. Et après, on laisse l'autre mec gérer. Il a un stuff un peu éclataxe, mais il a l'air de s'en sortir. Bam. Aïe, aïe, aïe. Ok, pas de... Aïe, ok, aïe. Je galère. Ok, le mec l'a tué. Très bien. Eh bien, je te laisse l'achever. On n'a pas l'air d'être des adversaires. Il a l'air d'être plutôt cool avec moi. Pour l'instant. À voir ce qu'il fait dans mon dos. J'avoue que tourner le dos à un adversaire, très mauvais instinct de survie. Même les animaux ne font pas ça. Parce que c'est pas une bonne idée. Ok, partons. Bon, de souvenir, il faut tuer les bandits. Quand tu tues les bandits, tu as des coffres. Donc, le but serait de trouver un camp de bandits où il n'y a personne. Comme ça, je me fais un peu de points d'XP. Surtout un peu d'armure. Parce que là, je dois pas avoir une dingue. Bon, je m'en sors à peu près bien. Jusqu'ici, je suis pas mort. C'est un miracle. Ok, attention, ne t'écrase pas les jambes. Je me souviens qu'on peut faire ça, je crois. Ou alors, c'est l'autre jeu, Rogue Lineage ou Rogue Legacy. L'un des deux est un vrai jeu, l'autre est un jeu Roblox. Donc, je sais plus. Ok, avançons. Comment je level up aussi? Là, je suis level 4. J'ai 4 de power, mais je sais plus comment je deviens plus fort. Je sais pas. Ok, c'est pas grave. Continuons. Explorons ces belles terres. On est en automne. Profitons-en. Ok, bonjour. Est-ce qu'il y a des ennemis par ici? Je crois pas. Je sais même pas ce qu'il faut faire une fois que tu as level up dans Deepwalken. Je suis jamais allé assez loin en fait. Genre là, actuellement, on est en train de faire ce que j'ai fait de plus loin. Dans ma dernière vidéo, j'étais niveau 10 et quelques. Et j'avais tué des bandits et tout, mais genre je sais pas ce qu'il faut faire une fois que t'as fait ça en fait. C'est aussi pour ça que j'avais arrêté les vidéos, c'est que dans les jeux hardcore en général j'avance pas réellement. Genre juste je stagne et j'avance pas parce que je meurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, bon ici c'est un village de bandits de souvenirs, donc pas forcément le meilleur plan, surtout que je crois pas qu'il y ait de coffre. Pour l'instant tout se passe bien. Je crois qu'il y a une grotte par là. J'ai du mal avec mon nouveau tapis de souris, je n'ai plus l'habitude. Ok, ok, c'est bon. J'espère que je vais pas mourir à cause du tapis de souris.
Parce que blâmer le tapis de souris, ça c'est pas quelque chose que ce soit fait pour se justifier. Ok, il y a personne. Super, bah c'est nickel, moi je me casse. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un crabe? C'est quoi? T'es quoi le crabe? J'ai même pas envie de l'affronter, c'est mort, j'affronte pas ce truc. Non, je ne vais pas faire ça, c'est mort. J'affronte pas les créatures étranges, je préfère affronter juste les humains. Tiens, bah en parlant des humains, en voilà un. Allez, viens là toi. Ok, il a fait mal à ma garde, c'est pas grave. Il est déjà mort? Mais t'es nul! Mais t'es éclaté! Et je suis même pas si fort que ça! Vas-y, viens là toi! Tu veux sauver ton pote? Ça sert à rien! Hop, hop, hop! Et il est déjà KO aussi? Mais attends, mais je m'en sors trop bien, mais qu'est-ce qui se passe? Le jeu a été rendu plus simple ou c'est juste moi qui ai un perso OP? C'est vrai que j'ai des bons sorts après, mais bon, quand même. Ok, bam, bam, aïe, aïe, oh! Ok, c'est bon, tout va bien. Ok, tu vas goûter à toute la puissance de... J'arrive plus à monter. Tu vas goûter à rien du tout! J'arriverai à monter un jour. Oh, il y a d'autres bandits ici sinon. Ok, on va faire cela, ce sera peut-être plus simple. Bonjour! Hop là! Oh, je voulais pas toucher qu'un seul, je voulais en toucher trois. Aïe, aïe, aïe. Ok, aïe, aïe, aïe. Non. Non, non mais sa mère. Ah, esquive, bloque, bien. Ok, faut juste bloquer très en avance. Et là, j'ai récupéré quasiment toute ma vie avec ce kill. Ok, hop, ok, un kill, ça me fait de l'XP. Bonjour, bonjour à vous. C'est les URSSAF, c'est les impôts. Allez, hop là, donnez-moi votre loot. Allez, hop, toi t'es mort comme ton pote. Allez, ça c'est fait. Bonjour, je suis vraiment super fort. Hein. Je me souvenais pas que le jeu était aussi facile. Ok, bam, exécute. Et là, il devrait y avoir un coffre. Normalement, il y a eu un coffre. J'ai eu raison, étonnamment. Vanguard Brace, Albard. Ouh, Cloud Stone. Je sais pas ce que c'est une Cloud Stone. Je crois que c'est du fric, peut-être. Ok, et le reste? Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Ok, j'ai eu du coup du stuff qui a l'air mieux que ce que j'avais. Ok, ce stuff me donne encore plus de vie quand je down quelqu'un. Et déjà, je régénère quasiment toute ma vie. Et ça. Ça me demande d'être... Ouais, malheureusement, je peux pas l'équiper. Ça me demande d'avoir 25 en arme lourde. Et je ne joue pas arme lourde. Je joue arme moyenne. Donc non, c'est mort. Ok, sinon je pouvais aussi... Parce que là, j'ai un XP un petit peu. Alors, je vais prendre ça. Je le mets sur moi. Ça augmente mon agilité. Parfait, je suis à 7. Ça veut dire que je vais courir plus vite. Et que j'ai un meilleur parcours. Et que je suis plus discret. Ça ne me servira jamais. J'ai aussi... je devrais mettre ça pour upgrade ma défense, donc on va le mettre. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça me fait méditer, d'accord? Ok, ça sert à rien. Je vais lire mon livre. Maintenant, je deviendrai peut-être meilleur en force. Et là, je lis un autre livre et je deviens plus intelligent. Peut-être. Non. Qu'est-ce que je suis supposé faire? J'ai tout oublié. Ok, Genkata, hop, hop, hop. D'accord, et là, ok, j'ai augmenté ma puissance avec mon souffle du vent. C'est pas Demon Slayer, mais presque. Ok, et j'ai gagné du willpower encore une fois, bizarre. Ok, je suis en train de gagner plein d'XP, je sais pas ce qui se passe. Très bien, et bien maintenant je suis encore plus fort en vent. Je sais pas comment je débloque une nouvelle compétence vent, mais c'est pas grave. Ok, okay là c'est bon, c'est passé. Viens là toi, j'ai augmenté mon agilité, c'est pour ça que j'ai réussi à monter je pense. Windblade, allez viens là. Ok, bam, medium weapon, weapon bien sûr. Ok, arme moyenne augmentée. Aïe, aïe, ok je vais juste le bloquer, attention. Raté, ok attention. Raté, ok, j'ai pas le timing pour ce mec là. C'est pas grave, c'est un parfait entraînement. Parce que ce mec est bloqué pour l'instant. Donc c'est nickel, hop hop. Alors je peux pas remonter, je vais attendre un petit peu que je régène peut-être. Ok, le revoilà, oh il a réussi à passer. Ça, je l'avais pas prévu, aïe. Ouh. Ah non, il peut me tuer lui. Oh je suis dans la sauce, oh je l'ai réussi à bloquer. Non, j'aurais pas dû faire cette compétence, mauvaise idée. Vas-y, viens, tiens, bouffe. Ok, bien, bien, non. Là, 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 je suis mort. Me tue pas, si tu me tues, t'es un petit bolos. Tu es un petit bolos, regarde, je flop. Ah, je suis mort. Bon, bah c'était, voilà, c'est fini malheureusement pour ce personnage. Ah, non, alors voilà, bah, je ne suis pas mort. Je ne sais pas comment on meurt, mais je ne suis pas mort. Je ne sais pas comment ça se fait. Je pense qu'on peut savoir d'une façon ou d'une autre si on est supposé mourir, mais je ne sais pas comment. J'ai pas perdu des stats. J'étais pas plus haut dans toutes mes stats. Je viens de devenir plus faible. Ah, et là, ma vie est devenue orange moche. Ça veut dire que j'ai perdu un peu de life. Ok, donc je suis en train de ruiner mon personnage. Dac, ça fait plaisir. C'est très cool, c'est très cool. Je sais qu'on peut regagner des vies, mais je sais plus comment. Donc, ouais. J'ai littéralement tout perdu, sauf le stuff que je viens de ramener. Et je sais même pas si on peut le vendre. Je sais même pas comment on peut le vendre.
À mon avis, ce personnage-là, en soi, il n'avait pas fait grand-chose. Il avait un petit bout de stuff. Donc déjà, ça veut dire que j'avais affronté quelques bandits avec. Mais vu que j'avais surtout des petites stats un peu éclatées, je pense qu'en fait, j'ai juste coupé du bois pour récolter de l'argent, pour acheter les outils de départ, oui, comme les encyclopédies, etc. Et je pense que j'ai juste fait ça. J'ai un peu XP, j'ai un peu lu des livres, etc. pour choper quelques magies. Et je pense que c'est tout ce que j'ai fait. Je sais pas combien de temps ça prend de faire tous ces trucs un peu ennuyants, c'est-à-dire couper des arbres, etc. Mais... en soi, c'est peut-être pas si compliqué. Donc, c'est peut-être un perso assez early, c'est même très probable. Donc, bref, c'est pas grave, on continue. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le truc que j'aime pas trop dans les jeux hardcore, c'est que toute cette préparation que j'ai fait à couper des arbres pour acheter les 40 items, imaginons que ça m'ait pris une heure. Si je perds ce perso, c'est une heure que je vais devoir recommencer. Et c'est ennuyant. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. De toute façon, si un jour j'ai envie de tryhard le jeu, je le ferai. Mais là, c'est pas grave. Si je meurs, c'est comme ça. Et puis, je referai un nouveau perso la prochaine fois. C'est comme ça. Et c'est pas grave. Je suis sûr aussi qu'avec des abonnés, il y a moyen d'XP beaucoup plus facilement. Je suis persuadé qu'il y a une technique où, genre, t'équipes ce petit truc de défense. Il y a un abonné, ou un pote, n'importe qui te frappe jusqu'à ce que tu gagnes de la vie. Et tu peux faire ça en boucle. J'imagine. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense que tu peux absolument abuser et train sur tes potes sans jamais le tuer. Ce qui permettrait logiquement d'avoir d'énormes stats. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Ah! À l'aide! Ok, j'ai augmenté ma fortitude. Au moins, bonne nouvelle, j'ai plus de vie. Bon, qu'est-ce que vous me vouliez, vous? Attends, vous êtes des PNJ tous les trois? Ouais, vu comment ils bougent, c'est des PNJ. Ok, on va reculer. Viens là, toi! Windblade! Bam! Raté, ça n'a rien fait. Tiens! 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 Ok, j'en ai mis un à terre. C'est un joueur, ça? On dirait, on dirait pas. Il se déplace comme un PNJ, juste il a un stuff bizarre. Okay, medium weapon increased. Ouais, mais attends, mais il y a du monde ici. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette sauce? Cassez-vous. Ok. Bam. Oh, bien, bien, bien. Je commence à devenir bon en termes de vent. Il y a trop d'ennemis. C'est quoi ça? C'est aussi un PNJ? Il y a trop d'ennemis ici. Je sais pas si c'est un joueur là, le mec qui est en train de se battre. Je sais pas. Honnêtement, je vais me tailler. Il y a trop d'ennemis. Je peux pas tous les tuer un par un. On va reculer, voilà, il y en a plus que 3 qui veulent mes fesses. C'est nickel, venez là. Venez choper mes fesses. Voilà, ça c'est fait, lui je peux le fumer. Hop là, cut. Bam, ok, ça c'est bon. Allez, hop, on enchaîne, non, non. Aïe, 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 il m'enchaîne. Ok, c'est parce qu'il a une attaque rapide. Oh là là, je suis dans la sauce, t'es qui toi? T'es un PNJ ou pas? Je vais te sauver le PNJ. Non, c'est un PNJ effectivement, mais il m'a sauvé, c'est comme ça. Ok, on va tuer les autres. Et lui, on va le laisser là. Ça se trouve, c'est un ennemi. Ça se trouve, c'est juste un ennemi, mais il aime pas les bandits non plus. Donc, je vais le laisser. Et il a des spawns. Parfait. Et il y a un coffre là-bas qui a spawn. Donc ça, je vais aller le chercher, par contre. Ok, hop. J'espère qu'il est toujours là. Et je peux apprendre, apparemment. Ok, je fais ça. Ok, je suis en train de devenir meilleur en vent. Je sais pas du tout à quoi ça me sert. Mais je suis en train de devenir meilleur. Coffre, il y a une armure et du wood. Je ne sais pas à quoi il sert. Et l'armure, 10 d'armure physique. Attends, quoi? 10 d'armure physique, 5 élémentales, un talent de flamme et 25 fire armor. Attends, comment je la mets? Ah, c'est un... Ok, c'est un schématique. C'est pour le crafter. D'accord. Donc, je suppose qu'il faut le filer à un forgeron pour qu'il crafte cette armure de feu. Ok, je comprenais pas. Power increased. Ah, donc là, j'ai level up. Comment ça se fait? Ok, je pense que c'est parce que j'ai level up suffisamment mes stats globalement. Oula, on a beaucoup de... J'avais pas autant de points la dernière fois que j'ai joué. Ok, donc je peux avoir... il est quand je nage, m'en fiche. Je peux avoir... Ok, donc les ennemis qui prennent mon vent attaquent moins vite. Intéressant. Avoir de l'éther quand je fais des dégâts avec des mantras m'en fiche un peu. On a plus en mangeant, on a plus de bouffe en mangeant. Ta sanité récupère, blablabla, pas important. Moi je vais prendre le truc devant, ça m'a l'air bien en vrai. Réduire la speed des ennemis, ça doit être bien. Oh, attends, une deuxième. Ok, d'accord. Je sais même pas. Et là il y a encore des trucs, c'est encore des schématiques ça. Vas-y, je vais tout prendre, je vais tout prendre pour l'instant. Ok, donc il y a quoi d'autre sinon? Launch for... Je sais pas. Ça a l'air bien. Je crois que c'est une compétence de mouvement. Ça en a l'air... Attends, une troisième? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai autant de points? On va prendre ça, quand un ennemi m'attaque, je cours plus vite. Et ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Est-ce que c'est parce que j'avais un perso qui date d'avant la nouvelle update et du coup j'ai des gros bonus? Je sais même plus. Peut-être ça me donne un speed boost quand je tue quelqu'un. C'est plutôt intéressant. On va prendre ça. Ouais, j'aime bien pouvoir bouger vite. Et c'est pas terminé. Ok, et là, j'aimerais... mais je suppose que j'ai eu 5 points... 5 nouveaux traits, parce que je pense que tous mes traits ont été reset et que là je suis niveau 5. Ok, j'aimerais... Alors, plus de vie, plus de dégâts, plus d'éther.
ou plus de puissance de mantra. Je vais prendre de la force. Je vais prendre de la force. Ouais, je vais faire un max de dégâts. Et c'est toujours pas fini. Mais ça s'arrêtera jamais. Bah, je sais pas. J'aimerais plus de vie. Pourquoi pas? Ok, c'est fini maintenant. Mais ça coûte... What? J'aimerais plus de dégâts dans ce cas. Ok, c'est fini maintenant. C'est fini. Ok. Donc là, je dois être vraiment, vraiment fort. On va voir ça avec celui-là. Ok, bam, bam. Je l'ai tout shot. Bah alors, bolos. Hop. Et voilà. Oh, mais il est fort ce perso. J'ai rien dit, j'ai pas envie qu'il meure. Attends, et en levelupant, j'ai récupéré en plus ma barre de vie que j'avais perdue. C'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Donc là, mon perso est increvable. C'est comme s'il était jamais réellement mort. Ça, c'est super. Ok, je lis mon livre, blablabla, très intéressant. Ah ouais, pour devenir intelligent, il faut lire. Oh non, arrête, je suis smart. Tu peux pas attaquer un homme de culture. Ça ne se fait pas. Mais qu'est-ce que... Tu es débile, toi. Tu es stupide. Ok, bam, prends... je mets un coup de pied, il est à terre. Le mec, je l'ai one-shot avec un coup de pied. Je suis Son Goku. Voilà, j'ai la puissance d'un super saiyan. Un petit coup de pied et t'es mort. Toi aussi, toi. Allez, bam, t'es pas mort. Oh, t'es encore debout. Étonnant. Ok, counter. Bam, bam, bam. Il est résistant, celui-là. Ah non, pardon. Allez, hop là, KO. Mais je suis increvable. Ok, où en étais-je? Donc j'ai un équipement de tête face. Ah oui, mais je peux pas l'équiper, ça. Attends, c'est équipé. Apparemment, c'est équipé, sauf que j'ai déjà un masque, donc ça sert à rien pour moi. Après, j'ai des bottes qui sont exactement les mêmes stats que mes anciennes bottes, mais elles sont noires. D'accord, on va remettre la veste d'entraînement, on va remettre les poids, peut-être que... Alors, on va commencer par les poids pour l'agilité. Ok, non, on va commencer par la veste, je sais pas. Et donc j'ai pas eu de compétence, je pensais que c'était une compétence le dernier truc que j'ai vu, mais apparemment non. Il m'avait dit que quand je saute d'un bord, ça me propulse, mais il se passe rien. Est-ce qu'il faut que je l'apprenne auprès d'un maître? Je sais pas, je ne sais vraiment pas. En tout cas, c'est pas ici. C'est bizarre, ce serait en bleu, logiquement, si c'était un truc que j'avais eu avec la magie, mais là, je n'ai rien. Je sais pas, en tout cas, ce perso a l'air de plutôt bien commencer, je sais, peut-être que non, mais ça a l'air pas deg. Ok, est-ce qu'on peut revoir les bandits tout à l'heure? C'était bien quand il y avait ces bandits, ils étaient très très nuls. Hop, hop, ok, je crois que j'ai compris ce que j'ai gagné en fait. Ça, c'est mon loot. Loot. Ah, mais c'est effectivement mon loot. Bah, je récupère tout. On va tout prendre, voilà, je sais même pas qu'est-ce qui sert à quoi, mais je récupère tout. Crystal Lens, ça, je suppose... ça je suppose que c'est à vendre. Ça aussi je suppose que c'est à vendre. Je sais juste plus comment on vend. Oh attends, on a des barils. Je peux les porter, je suppose qu'on peut les vendre aussi, à mon avis. Pas intéressant, moi ça m'intéresse pas du tout. Alors, est-ce qu'ici il y a des ennemis? Est-ce qu'il y a des gens dans ce fort? On dirait que non. Dans le village, oui en tout cas. Ah, bonjour, bonjour à vous. Je crois pas que vous dropez de coffre, mais c'est vraiment pas important. Aïe, je prends cher, pas grave. Ma défense a augmenté. Ok, non, c'est grave parce que je commence à mourir. Ah non, j'aime pas les gars avec les haches. J'arrive pas à timer. Oh aïe aïe, ok c'est pas grave, c'est l'heure de la fuite. Aïe, non c'est l'heure de... Il m'a monté sur la tête. Comment tu veux t'enfuir d'un mec qui est sur moi? Bon bah je suis mort. C'est un plaisir, je déteste les gars avec les haches. Je vous déteste tous intensément. Je m'entraînerai pour les fumer parce que je les déteste du plus profond de mon cœur. Quoi? Où est-ce que tu étais trouvé une fois que tu récupères? Dans un bateau ou au vigile? Ah, je peux respawn à mon bateau? Non, je vais au vigile, je vais au vigile, c'est plus safe. Voilà, au moins là, je suis à un endroit safe. J'ai le temps de me reposer un peu, de réfléchir à mon avenir, de réfléchir à ce que je vais XP, et ce serait bien. Et donc là, j'ai gagné des points en vitalité, en proficiency et tout ça. Je suppose que c'est ce que j'ai gagné tout à l'heure, en fait, avec les level up. Ok, donc là, je suis visiblement plutôt corps à corps pour l'instant, ce qui n'est pas cohérent avec les stats que j'ai utilisées avant. J'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais il y a des bandits qui attaquent! Non! Arrêtez! Vous ne tuerez pas ces chevaliers! Ils n'ont rien fait! Aïe! Aide-moi, chevalier! Aide-moi! Au secours! Ok, parfait. Je vais te laisser te débrouiller et après je vais te sauver. Vas-y, meurs! Meurs! Voilà, parce que j'ai pas envie de le frapper en fait. Si je le frappe, il va probablement essayer de me fumer. Voilà, on va fumer ce mec là. Parfait. Et le mec prend le deuxième kill. Parfait, c'est pas. C'est pas grave, j'ai le seum, mais c'est pas grave. Tes actions ont rendu content Etrea. Bah c'est cool, c'est très sympa. M'en tape, je sais pas qui c'est Etrea, mais cool. Ok, donc là c'est mon maître de vent, si je me souviens bien. Alors, yes I have, qu'est-ce que tu veux focus? Je veux focus Windblade, Draw It Out. Tu n'as pas assez d'argent. Ah donc, je peux upgrade mes compétences auprès de ce mec, mais j'ai pas de fric. Ça, c'est un problème. Mantra, donc ça, c'est mes compétences, c'est ce que j'ai déjà. Et donc ça, ok, donc ça, c'est toutes mes compétences passives. Et là, j'ai des points que je peux mettre. Ok, il me semblait bien que je pouvais mettre des points. Je vais mettre 2 points dans peut-être la force. Ouais,
2 points dans la force, allez. Bam, bam, parfait. Parce que la force, je l'ai pas encore level up. Et je pense que ça va être nécessaire pour un homme comme moi qui ait besoin très clairement de mettre des coups d'épée. Ok, bon, et je m'en sors bien. J'ai toujours 117 ans et papy s'en sort bien. Papy est un expert. Papy n'est pas encore mort. Il est monté niveau 5, il a tué des bandits. Et prochaine fois, à l'avenir, papy va continuer à fumer des bandits et monter niveau 40 milliards. Bon bref, voilà, c'était Deep Woken, on va s'arrêter là. Plutôt sympa, mais je suis toujours autant perdu. Mais j'y rejouerai peut-être à l'avenir, on verra. Au revoir, si vous voulez voir une autre vidéo, cliquez sur celle qui s'affiche à l'écran. Vous connaissez les bails, abonnez-vous. Au revoir, adieu.